Tu dois. Ouais, t'as contresens, vieux. Oh. Vieille. Vieille. Ouais, mais t'as un contresens, le mec derrière. Ça t'arrive de contrôler ou pas avant? N'importe quoi. Parce que t'as toujours des mecs qui peuvent débouler et tout ça. Comme lui par exemple, tu vois. Voilà. Tout ça parce qu'il va allumer sa cigarette là. Mais bon. Mais avec Claire, on a dit qu'on lui ferait un anniversaire à la maison. Ah bah oui. Soit fin août. Mais je pense plutôt début septembre. Et toi, tu veux partir à quand? Comment? Toi, tu veux partir à quand? Quand on va visiter. Et à cette période-là, il y a, semble-t-il, des aurores boréales. Si on a de la chance. J'espère que tu vas la chance. Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait lui, oh? Ligne blanche, c'est plus chez lui. N'importe quoi. Tu vois, j'étais nerveux, il m'a mis leur fouille dessus. Ah ouais, ouais. C'est pour la tête. Tu sais qu'il devrait utiliser l'air food. L'air food, il passe ça avec une brosse. Ses cheveux, moi. T'as déjà essayé de... Ah mais Rémi, il s'en fout. Moi je lui ai dit, tu putain, sais, tu mais toi t'es un trou du cul. Trou de balle. N'importe quoi. Et quoi? Il perd un peu les cheveux. Et mon coiffeur, il a dit que... Ah, j'apprends à faire un truc. Et du coup, j'avais le choix, bien évidemment, au jour du bac, entre l'écriture d'invention et la dissert. Sur et la dissert. Tout va bien. Il n'y a pas de code de la route en France. Ah, t'as pas, il y a la disserte alors. Et du coup, et en fait, voilà. Vite, quand t'as marre, c'est direct. C'est dans la maman, il y a une chose qui a beaucoup de soins. Non, non, non. Réponse, non, 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 c'est bon, c'est bon. Non, non, ça va. Wouah, le gars, ce qu'il a fait devant Rémi. Ouais. Oh, les gars, ils sont sérieux. Elle parlote. Elle parlote. Ouais, elle parle pas trop, mais elle est trop. Elle doit avoir beaucoup de cheveux maintenant. Mais allez, n'importe quoi, gratteur de mes couilles, putain, sérieux. C'est pour ça qu'elle. Oh, les mecs, ils pensent qu'une seule chose, c'est qu'à gratter en fait. Sur le GPS, il met là. N'importe quoi. Ah, mais on s'est perdu. Ah, c'est arrivé avec son. T'es sûr, les frais. C'était évident. C'était évident. Voilà, vas-y, mec. Va t'aider les gens, roule pas. Putain, n'importe quoi, le gars. Oh, il s'est cru sur un circuit, lui. Au final, la mer, elle est loin. Qu'est-ce qu'il fait la voiture de l'an? C'est quoi son projet à lui là? Je sais pas c'est quoi, oh, mais. N'importe quoi. Non mais je vais passer devant en fait. Voilà. Ouais, 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 voilà, c'est bon. Merci. Coucou, voilà. Pour moi le souffle un peu. Ouais, bisous à tous. Ah oh, le con, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Regarde-le. Regarde-le lui, regarde-le. Oh mais c'est n'importe quoi. Oh, il a envie d'aller pisser lui hein. Putain, ça y est, il est dans la vie.
Ça y est, dans la dashcam. Là, c'est là, gars. La police voulait absolument passer devant. Il va absolument passer devant la caravane. Oh là, il sait pas où il va, je suis à l'entrée de Toulon. D'accord. Bah moi je suis t'es sur autoroute encore? Oui. Avec okay. Tous les gens qui te font la bande d'arrêt d'urgence, c'est tellement intelligent ça. Eh oui. Non bah je t'appelle. Eh oui, il peut. Mes cheveux ils vont être... Wouah. Ouais, il fait ça couper en deux. Ouais. Les clignots, allez, go, go, go. Il se donne dans le rond-point, très intelligent. Et là à droite. Garmin, enregistre. Ok Garmin, enregistrez la vidéo. Ah oui, non mais complètement d'accord. À moins que Noronto il fasse un forfait pas cher, mais là en ce moment, je sais pas si c'est trop. Ah si, 59 euros, je crois. En face, putain,